Tu te réveilleras une heure avant le fajr. Au réveil, tu diras l'invocation qu'il y a en épinglé. Ensuite, tu prendras soin de réveiller ceux qui ne se sont pas levés. Une fois cela fini, tu iras manger en veillant à ne pas trop manger ni gaspiller quoi que ce soit. Il te restera alors une trentaine de minutes. Tu iras alors faire tes ablutions et tu enfileras ton plus beau vêtement pour Allah. Un coup de siwak et un brossage de dents sera nécessaire. Plus que 20 minutes. Tu profiteras de ce temps pour faire la prière de Tahajjud. Tu feras du dhikr sur les minutes qu'il te reste. Vient alors la prière du Fajr qui est recommandée de faire seule. Ensuite, tu prieras la prière de Sobh avec toute ta famille. Une fois la prière terminée, tu feras l'effort de rester jusqu'au Shuruk en invoquant Allah, en lisant le Coran, en apprenant sa religion, etc.